préparez deux bandes Rosidal K. Comme pour toute pose de bandage, il convient de poser la bande après un temps de repos en position allongée ou le matin au lever. Il est recommandé de ne pas appliquer la bande directement sur la peau. Pour éviter les blessures dues au frottement de la bande, protégez les zones sensibles ou d'hyperpression comme le pli de flexion de la cheville, la crête tibiale, les malléoles ou le tendon d'Achille, avec de la ouate par exemple. La largeur de la bande doit être inférieure à la distance entre la base des orteils et le pli de la cheville. Le pied est positionné à angle droit. Débutez à la racine des orteils, superposez deux tours de bande. La bande à allongement court se pose simplement à tension complète et ne nécessite pas de repère visuel de pose. Remontez sur le coup de pied en recouvrant chaque tour de bande de deux tiers, couvrir le talon, revenir sur le coup de pied, puis passer sous la voûte plantaire. Attention à éviter d'éventuels plis. Revenir à nouveau sur le coup de pied, on réalise ainsi la figure d'un 8 autour de la cheville. Passez ensuite derrière le tendon d'Achille. Le talon doit être recouvert intégralement. On ne doit voir aucun interstice dans le bandage et les recouvrements doivent être réguliers pour permettre des pressions dégressives et homogènes. Continuez le bandage en spica, c'est-à-dire en 8 ou en épi ou encore en circulaire, en recouvrant chaque tour de deux tiers. La première bande s'arrête en général à la naissance du mollet. On débute la pose de la seconde bande en recouvrant le dernier tour de la première bande. Grâce à son allongement court, inférieur à 100% et sa composition en coton, Rosidal K peut être porté jour et nuit, sauf avis médical contraire. Selon la prescription, le bandage peut rester en place plusieurs jours. Si besoin, il peut être reposé. Il peut également être lavé jusqu'à 95 degrés pour être ensuite réutilisé. Le bandage s'arrête alors deux doigts en dessous du pli du genou. Fixez le haut avec du sparadrap ou une bande de fixation cohésive. Le bandage est ainsi terminé. Rosidal K, Molellas Aft et Celona Watt sont des dispositifs médicaux. Consultez les notices d'utilisation pour plus d'informations. Rosidal K est une bande de compression à allongement court, dispositif médical indiqué dans le traitement de l'insuffisance veineuse chronique, fabriqué par Lohmann et Rauscher. Se référer à la notice pour plus d'informations. Le type de bande et la technique de pose doivent être déterminés en accord avec le médecin.